Réunis, mobilisés et armés d'une détermination sans faille pour obtenir le retrait du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. Merci à vous d'être venus aujourd'hui. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de vous annoncer qu'hier, il y a eu l'Assemblée Générale Constitutive et que donc nous sommes officiellement plus qu'un collectif, mais l'association, une association, l'Union des collectifs du 89 pour la liberté. Réfléchis, mais en fait, il y aura quand même un cortège samedi prochain, mais il y a un appel aux personnes qui souhaitent aider à l'organisation, qui souhaitent faire des prises de parole, etc. Parce qu'on ne sera pas là. Donc, appel à vous. Je vous invite à commencer à vous rassembler pour le cortège, s'il vous plaît. Et il nous manque deux personnes pour une banderole, s'il vous plaît. Thank you.
d'enseignants, de chercheurs et de personnels d'éducation, enseignants, recherche et liberté, à examiner votre proposition de loi relative à la vaccination obligatoire prévue à la discussion courant octobre 2021. Outre l'idée irrationnelle d'imposer à l'ensemble de la population une injection sous AMM provisoire et conditionnelle et qui est toujours en phase 3 des essais cliniques, notre syndicat dénonce les contre-vérités nombreuses que comporte l'exposé des motifs censé justifier cette proposition de loi. Nous rappelons en préambule qu'un vaccin, comme tout traitement médical, doit présenter plus de bénéfices que de risques, protéger le sujet d'une maladie potentiellement grave pour laquelle il n'existe aucun traitement et réduire la propagation de l'épidémie. Un vaccin n'est cependant jamais une panacée. Dans la lettre, il y a aussi des ressources, donc je ne vais pas vous les lire, évidemment. Donc, un vaccin n'est cependant jamais une panacée. C'est une excellente solution contre certaines maladies. Excusez-moi, c'est la description de la ressource. Je m'excuse, c'est un peu compliqué. Excusez-moi. Si notre syndicat fait, comme vous, confiance aux scientifiques, cette confiance ne se confond en aucun cas avec une croyance, CF exposé des motifs. Cela révélerait d'une démarche irrationnelle et conduirait à exposer la population à des dangers plus grands que la maladie dont on prétend la protéger. Petit 1 sur la gravité de la Covid-19. Il est connu depuis mars 2020 que les principales victimes de la Covid-19 sont des sujets âgés, obèses, diabétiques, présentant généralement des facteurs de risque sanitaire importants. Selon le site Géode Santé Publique France, il est attesté que la population jeune et en bonne santé générale ne risque pas de mourir de la Covid-19. Les chiffres donnés par Géode indiquent que les décès pour la population en dessous de 20 ans sont plus qu'exceptionnels. On sait aussi que sur l'année 2020, la surmortalité fut identique à celle de 2015 et a surtout concerné des personnes de plus de 80 ans. Là aussi, les propos sont documentés par les ressources. Petit 2 sur le taux d'incidence de la Covid-19 en septembre 2021. En se penchant par ailleurs sur le taux d'incidence de la Covid-19 sur le territoire français métropolitain, on s'aperçoit qu'il est actuellement très bas, 6 cas pour 100 000 habitants. En d'autres termes, nous ne sommes pas en septembre et octobre 2021 en pandémie. Sur la vaccination altruiste, la protection collective et les variants, les pays qui mènent des campagnes vaccinales massives contre la Covid sont victimes de vagues d'infections massives, voire la situation en Israël. Le vaccin contre la Covid n'empêche ni de développer la maladie, ni de la transmettre. D'après des données du CDC, Center Disease for... c'est le Centre de contrôle des maladies et de la prévention, c'est en anglais, rendu public en juillet 2021, plus de 70% des personnes malades de la Covid aux États-Unis étaient doublement vaccinées. Là encore, c'est sourcé. Croire à une protection générale, CF l'exposé des motifs, par la vaccination universelle est donc une chimère. Les personnes vaccinées continuant d'être porteuses, malades et vectrices du virus. Ainsi, votre affirmation, nous avons la chance de bénéficier de vaccins qui, collectivement, nous protègent et nous permettent de renouer avec un quotidien apaisé, de limiter les restrictions et la privation des libertés, de mettre fin à la situation que nous connaissons depuis trop longtemps, faite de craintes pour nos familles, pour nos emplois, pour la scolarité de nos jeunes, relève du vœu pieux. Liberté, 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 li
reporter. Avant toute chose, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour vous remercier, déjà dans un premier temps, mais aussi pour remercier nos gardiens de la paix, qui... Merci pour eux. Qui, tout comme nous, sont des citoyens, exposés donc à la même réalité, aux mêmes difficultés, que ce soit en tant que parents, en tant que citoyens, que clients de différents commerces. Ils sont aussi exposés donc au pass sanitaire, ils sont eux aussi exposés à toutes ces pressions que nous fait le gouvernement. Donc j'aimerais vraiment qu'on les encourage, puisque l'encouragement et la reconnaissance d'un travail est primordial. Donc merci. Merci à eux.
Je souhaite également remercier toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux, grâce à Fanny, notamment au direct, puisqu'il y a beaucoup de personnes, parfois à cause d'un handicap, qui ne peuvent pas se déplacer, mais qui nous suivent pour autant sur les réseaux, grâce au direct, grâce aux vidéos, grâce à nos publications. Donc j'aimerais aussi qu'on les encourage et qu'on les applaudisse. Un grand merci à eux. Le soutien, c'est peut-être la chose la plus importante. C'est la pierre angulaire de toute lutte. Car sans soutien, comment avoir l'énergie nécessaire pour combattre? C'est difficile. C'est très difficile. Quand on est isolé, quand on se sent abandonné, quand on est seul, on peut mener un combat. Mais tôt ou tard, on se sent dépassé. Et c'est notamment pour ça que nous nous sommes tous retrouvés il y a déjà 14 semaines. C'est justement pour faire front, pour faire face ensemble. Car ce soutien-là, c'est lui qui nous porte. Et c'est lui qui nous donne la force d'agir et de rester debout. Et nous ne devons jamais perdre ce cap de vue. C'est pour cette raison que l'antenne soutien a été créée. Elle a été créée justement pour offrir des espaces de parole aux personnes qui en ont besoin, aux personnes qui ont besoin de se retrouver, de partager leur expérience, de partager leurs difficultés, de partager toutes ces épreuves qu'elles subissent tous les jours, depuis déjà des semaines. Les personnes qui se sont retrouvées suspendues, qui se retrouvent face à cette obligation vaccinale, elles ont besoin de soutien, nous en avons tous besoin. Donc l'antenne soutien a été créée et dès ce lundi, dès le 11 octobre à 19h, nous aurons notre première séance, notre premier groupe de parole et de soutien. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, je vous invite à envoyer un mail à l'adresse mail de l'antenne soutien. Donc si vous ne l'avez pas, nous avons encore des tracts de notre côté, donc nous pouvons en distribuer avec l'adresse mail de toutes les antennes. N'hésitez pas à nous contacter. Et si vous voulez avoir des précisions sur le lieu de rendez-vous, me contacter par mail ou rejoindre le canal Telegram destiné justement à l'antenne soutien. Donc le canal Telegram s'appelle groupe de soutien, groupe de parole pardon, et de soutien 89. Et je rappelle également que toutes les aides, quelles qu'elles soient, qu'elles proviennent de telle ou telle antenne juridique, soutien ou autre, ce sont des aides bénévoles. Donc c'est important de le rappeler. Thank you.
Moi, je suis Adrianis et ça fait maintenant 14 semaines qu'on manifeste. Et on était peut-être nombreux au début, et même si on est moins nombreux aujourd'hui, on est quand même 250, et c'est ces 250 personnes qui sont le noyau dur de la région, qui ne lâcheront rien. Et ça fait vraiment plaisir de vous voir. Donc voilà, je suis membre et membre fondateur de l'association depuis hier avec tous mes confrères. Et je suis également référent de l'antenne communication. Et je vais commencer tout d'abord par un appel, parce que l'antenne communication compose de très peu de membres. Et nous avons besoin, éventuellement, si parmi vous il y a des personnes qui ont le cœur et le temps de s'investir un petit peu, avec nous, n'hésitez pas à venir me voir, voilà, tout s'organisera, et n'ayez pas peur en tout cas de mettre la main à la pâte, même si c'est une heure par semaine, venez me voir et ça me fera vraiment du bien. J'ai deux petites nouvelles à vous annoncer positives. On va commencer par la nouvelle qui ne concerne pas la France, mais qui concerne toute cette crise, cette supercherie. C'est au sujet des pays nordiques. Qui se suivent en bloquant l'utilisation du vaccin Moderna pour les moins de 30 ans. Ouais. La Finlande a suspendu jeudi l'utilisation du vaccin Covid-19 de Moderna ARNm pour les jeunes hommes en raison d'un effet secondaire cardiovasculaire rare, se joignant à la Suède et au Danemark pour limiter son utilisation. Une victoire quand même. En ce qui concerne la France, avant-hier, la Cour européenne des droits de l'homme a accepté de communiquer une requête, parce qu'il y a beaucoup eu de requêtes, parmi je ne sais combien de centaines de requêtes qui ont été déjà rejetées, mais il y en a une qui a été communiquée contre la France, donc le gouvernement français, au sujet de la vaccination obligatoire. Donc ça signifie qu'un débat contradictoire va s'ouvrir et que la Cour jugera cette question de fond pour la première fois. Donc moi je m'appelle Fanny, je fais également partie de l'organisation depuis le début. Je suis également membre fondateur de l'association et référente de l'antenne juridique. Donc si jamais il y a des gens également qui veulent nous rejoindre à l'antenne juridique, qui ont des connaissances, qui connaissent des avocats ou des juristes, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez l'adresse donc sur le tract. Donc là, j'ai la note juridique qui a été établie par Maître Carlo Brusa de Réaction 19 sur l'illégalité du contrôle du statut vaccinal de la part de l'ARS dans le cadre de l'exercice des professions libérales, mais c'est également valable pour les salariés. Donc je ne vais pas tout vous lire parce qu'elle fait 4 pages recto verso, mais je vais vous la résumer. Merci Fanny. Donc, en gros, à la fin, il dit qu'il en résulte l'impossibilité d'appliquer la loi du 5 août 2021 pour les raisons suivantes, qui sont les vaccins visés par le décret du 16 octobre 2020 dans le cadre de la campagne vaccinale ne correspondent pas à ceux ayant fait l'objet d'AMM conditionnel, donc d'autorisation de mise sur le marché, créant une réelle incertitude sur la composition des produits inoculés. Le décret d'application n'a été publié que le 23 septembre 2021, de sorte que toute suspension ou contrôle avant le 24 septembre 2021 sont illégaux. La publication tardive du décret d'application rend impossible le respect d'un schéma vaccinal complet au 15 octobre 2021. En tout état de cause, le décret du 1er juin 2021, tel que modifié par le décret d'application, vise des vaccins contre la Covid-19 ayant fait l'objet d'AMM alors qu'il n'existe que des AMM conditionnels. Les dites AMM conditionnelles concernent des médicaments qui ne peuvent être qualifiés de vaccins compte tenu du défaut d'immunité suffisante remettant en cause toute obligation vaccinale. Donc en gros, ça signifie que tous les suspendus ne devraient pas être suspendus, c'est voilà. Illégal. Ouais, mais... Merci.
On jette des miettes contre les terres, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas au pas de millionnaires, on peut essayer pour notre société. Refuser pour pas trépasser, résister pour la liberté, même si maintenant on ne veut pas mourir. Macron, ton père, Macron, ton père.
Passer, résister pour la liberté, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, nous le passe sanitaire, on n'en veut pas. Pour sauver notre liberté, on gardera le bras levé, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et de vous pour la vérité, même Macron ne veut pas, nous on prochaine, même heure, même endroit. Merci à tous, merci de votre présence, merci de votre participation, de votre soutien et de votre engagement. Merci. Résiste, 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 prouve que tu existes. Le bonheur partout, viens, refuse ce monde égoïste. Résiste, 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 prouve que tu existes.